Occupé plutôt face à situation plusieurs milliers de compatriotes qui trouvaient au coincé sous frontière États-Unis avec Mexique, puis précisément Bapon del Rio a OPC mandé ministère des Affaires étrangères pour engager discussion avec autorité mexicaine et américaine pour joindre sa relé un moratoire en faveur compatriotes sayo qui exposaient en bas déportation pendant le mandé autorité concernée pour faciliter réinsertion socio-économique moun sayo retourner dans le pays. OPC qui dans notre protestation ça a dit noté moun yo voye retourner dans le pays yo pas respecté droit yo qui violé dans niveau intégrité physique morale et psychologique particulièrement ti moun piti ak femme enceinte yo qui pas gagné droit yo respecté yo pas joine un traitement spécial pendant la tire attention sous situation compatriote qui toujours en bas pont situation qui pas fait pour moun vive abandonné sans support yo pa gen de l'eau pour yo boire yo pa gen manger yo pa gen soin santé et c'est une violation à principe élémentaire protection migrant Nations Unies est adopté selon OPC une cause situation ça li considéré comme une tragédie c'est mauvaise gouvernance qui installée dans pays a depuis plusieurs décennies. Et j'ai noté annoncé le gagnant à plusieurs milliers haïtiens qui malgré tout sous route pour aller sous frontière Mexique ak États-Unis mais yo attire attention nous tous sous présence si un autre groupe haïtien qui trouvait yo sous frontière Guatemala ak Mexique nous pral parler ak Ediles Exil Noël c'est un ancien journaliste en Haïti, qui était travaille dans Radio Soleil, il était correspondant La Voix de l'Amérique et je dis un lycée médecin Mexique. Et Ediles, nous comptons gagnons avec nous matin pour nous garder pipré réalité haïtien yo qui a privé Mexique parce que yo pensé qu'à traverser et frontière pour aller États-Unis. Donc ça t'est qu'on fait, mais je dis un il paraît difficile pour haïtien ça yo. Nous pas connaître un groupe sous frontière Guatemala avec Mexique. Donc destination c'est toujours États-Unis ou bien Mounsayo doit passer par Guatemala pour atteindre Mexique et doit passer par Guatemala pour atteindre États-Unis. Bonjour auditeurs de Caraïbes, bonjour toute l'équipe du Grand Boulevard. Bon, son situation qui n'a vivons catastrophe pour le moment, son crise humanitaire puisque ces deux groupes n'a pas les deux groupes haïtiens. Puisque premier groupe là, c'est groupe qui vivait sous frontière Guatemala, Mexique là, qui situe dans ville Tapachula. C'est là qui donc c'est en sorte de filtre. C'est à partir du moment où ils sortent dans filtre ça, c'est laissé à traverser et l'étendue du territoire mexicain pour y aller aux États-Unis. Mais c'est là que le gouvernement mexicain fait une sorte de résistance pour pas quitter au passé en foule puisque le gouvernement mexicain estimait que le pas gain capacité d'accompagnement parce que faut accompagner aller sous frontière pour qui ça parce que pour éviter crime organisé qui capable prendre à n'importe moment pour faire n'importe qui situation parce que gain des histoires côté crime organisé narcotrafiquant tué fait n'importe qualité bagaille ça c'est youn ça sont l'autre aspect aspect qui gagne c'est complicité parce que le gouvernement mexicain pas voulu jouer un rôle complice de complice pour y traverser pour aller aux États-Unis c'est un commun. C'est un gros groupe qui traverse la caille sous dos la caille pour aller la caille en l'autre monde. Donc, ou pas qu'à bailler moun sa yo droit pour passer sous dos caillou pour aller envahir caille en l'autre monde. Donc, le Mexique vit dans deux situations difficiles. Pas, on parlait de complicité, mais un réseau bien monté pour côté Mounio Soti de Chili ou bien Brésil, puis traverser tout côté ça pour arriver aux États-Unis. L'Ipataka fait sans complicité et de autorité ou de monde dans l'immigration quand même. Oui,
mais pas d'information de complicité au niveau de secteur dans le gouvernement, mais c'est que complicité me parlait, hein, c'est complicité que le gouvernement américain estimait que Mexique servit de pont pour Montaïo envahi la Kaili. Et situation beaucoup plus compliquée pour Haïtien Sao qui voulait traverser frontière et Mexicain pour aller aux États-Unis. Mais nous apprendre, c'est presque chaque jour qu'un monde qui a passé et sous dans l'espace ça pour traverser aux États-Unis. Parlez-nous de parcours là, non? Monde ça yo sorti qui bord pour arriver qui bord? Parce qu'on a l'impression qu'un pile monde qui sorti Brésil et ou bien Chili, mais il y a moun tout qui sous parcours là, que c'est Colombie ou bien l'autre côté, et qui fait partie de groupe moun qui a cherché à rentrer aux États-Unis et qui bloqué là sous frontière. Oui, c'est ça. Et chancelier et mexicain, ces situations ça a été clarifié hier parce que gouvernement mexicain a recevoir en pile pression et du côté de droits humains. Parce que pour situation qui passe en Haïti, catastrophe naturelle, tremblement de terre, pour Tabay Mounsayo, il y a une sorte de porte ouverte dans le Mexique. Mais chancelier a lui-même l'y clarifié. Il dit tout le monde qui vient, il passe aussi en Haïti directement. Ce sont des mondes qui gagnent, ils ont une certaine stabilité dans des pays comme le Chili et le Brésil. Une fois que yo apprennent bon question TPS kabay, bon yo fait yo organiser sorte de caravane ça. Ça veut dire moun sa yo d'après chancelier yo pas gon traitement, yo pas gon nécessité tant que moun qui sinistré qui sorti en Haïti. Que bon tendance qui montrait Mounio et à cause de difficultés qui gagnent pour aller aux États-Unis, t'as décidé rester Mexique dans l'espoir qu'il y a pipré et le jour gagnent ouverture, y'a capable de passer. Est-ce que une senti gagne en augmentation dans la communauté haïtienne qui est Brésil, en fait, qui Mexique là, parce que y'a quoi que si y'a pipré Mexique, y'a capable de traverser et aux États-Unis? Oui, effectivement, bien ça nous dit faute de grive, on mange les merles. Si pour le moment, nous n'avons pas qu'à traverser les États-Unis, mais nous connaissons les États Mexique, gain un grand espoir. Un grand espoir à n'importe quel moment, nous qu'à traverser. Mais le problème, c'est que traverser en foule, là, c'est ça qui va le problème. Là. Mais nous tous connaissons les Haïtiens arrivés ici, ils ont un processus qui suivre peu à peu, avec un peu de patience, ils arrivent à passer quand même. Mais la situation est d'autant plus grave pour le moment, les oublés passer par milliers. Mais il y a des Haïtiens qui préféraient pour le moment rester au Mexique au lieu que retourner en Haïti. Est-ce qu'il y a espoir pour les gens qui ont déjà expulsé? Donc, nous ne pouvons pas parler des déportations, parce que ce sont des expulsions sauvages et même racistes. Les gens qui expliquent ça aux victimes en avion pendant qu'ils sont venus, mains et pieds enchaînés. Donc, c'est déjà jamais vu. Donc, les gens qui sont en Haïti, là, qui gagnent, et nous connaissons toute l'économie, qui ont pile le monde, pour être parti, c'est Tikaï qui te vend, Bouté qui te vend. Donc, il était défait lui, puis il était parti. Ils ont examiné, ils ont tourné pour tout le monde. Et puis, donc, peut-être troisième vague là, c'est pour le Grand Sud. Est-ce qu'il y a capable de gagner pour date 4 octobre là? Donc, le monde qui est responsable pour faire opération déblayage dans le sud pays et dans le Grand Sud, il fait connaître qu'il y a besoin un mois en plus. Un mois en plus, il faut que tu aies un matériel. A dit quoi dans mes yo, faut que matériel pas en panne, faut que autorité soit en mesure pour répondre avec toute urgence qui gagne si on matériel en panne pour pas perdre trop de temps. Donc yo bay tête yo un mois. Mais donc 4 octobre là pour Grand Sud là, mon yo pas ouais côté l'école là pour ouvrir effectivement 4 octobre. Malheureusement, l'école là ouvri, deuxième phase là, lancement fait, mais hier ça pas empêché jeune écolier ça
premier jour réouverture classio officiellement sous tout pays là Hercule Peterson li pral selon information que nous capable faire en pile confiance li pral tuer tête une bloc ou elle vague là. Oui, donc yo joine monsieur mouri dans chambre bien bonheur dans matin à hier qui c'était premier jour l'école là donc Hercule Gemayel Peterson Junior, donc monsieur était gagné 15 ans, il t'a pral fait classe sur les NS2 ans, donc c'est un élève brillant qui habitué fait de bonnes notes et qui compte premier dans la classe selon information nous gagné, donc petit camarade Léo gagné souvenir de 11 amis qui remet la vie, donc il était qu'on chanter dans l'occasion d'activité l'école là, t'es qu'on fait, lui-même t'es qu'on chanter hymne et l'école là, hein, donc c'est une nouvelle qui la gué Canado-Haïtien, Collège Canado-Haïtien, dans tristesse, puisque semblait pas gagner monde qui pas connaît monsieur dans l'école là, donc il distinguait de par talent li. Donc c'est ça nous gagnons comme toute première information concernant et Dramsa, nous t'ai essayé rejoindre parole dans téléphone matin. Maman donc qui sous choc et il a pas souhaité faire aucune intervention ou aucun témoignage dans la presse. Et c'est dans le contexte ça, l'ouverture classio faite, je nous dis là, hier, côté, c'était cérémonie, hein, il y a ouverture classe qui a fait pour trois départements, alors qu'il y a pour sept départements, alors qu'il y a trois autres qui attendent date 4 octobre, hein, pour être capable de l'ouvrir. Là, on a parlé de département NIP, sud de la Grand Danse, puisque il a été vraiment affecté par tremblement de terre 14 d'Aoutland, donc pour hier, c'était cérémonie officielle là, qui était déroulée dans l'école nationale argentine Bellegarde, dans Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, côté ministre de l'éducation nationale là, était présent. Marie-Lucie Joseph, qui était prend la parole là, occasion, promettait la vie à pas gagner pour recevoir kit scolaire, pendant l'annoncer quelques dispositions qui déjà prend pour faciliter année l'école là. Un côté, il y a un bout dans déclaration là, dans micro, Jean-Paul. Lundi. Cette cérémonie permet également de célébrer la renaissance de l'école nationale elle-même qui revient dans ses locaux flambant neufs, ces nouveaux locaux qui devront accueillir le nouvel élan de cet établissement fondamental complet avec également trois années de préscolaire selon le modèle 9-3 du ministère, c'est-à-dire capable d'accueillir 9 années du fondamental et 3 années du préscolaire. Modèle qui porte et renforce le message sur l'indispensable place de l'éducation préscolaire dans le développement harmonieux des élèves haïtiens. Premier ministre, ministre, directeur général, directeur de l'école nationale argentine Bellegarde, à tout professeur dans l'école là, tout invité yo, moi prends un moment pour moi saluer parents élèves dans l'école argentine Bellegarde là ensemble à toute maman à papa petit dans pays là pour qu'aucun effort yo fait pour jodi a si moun yo vinn l'école au champ pour courage nous à volonté nous au champ pour gens nous quoi non voyer non valait l'école moi connais gens tout monde voulait li bagayo pas facile non gros moment crise n'a vive là c'est peut-être ça nous continuer à déployer développer programme dotation livre à programme kit scolaire yo pour aider maman et papa petit dans affaire voyer ti moun yo l'école. Gen retard qui prend. Mais dans quelques jours, n'a recevoir bonne nouvelle. Kit scolaire yo a commencé distribuer. Faut que si moun yo joine livre à fournisse classique qui pour permettre yo apprendre pi bien. Même si parents a fait sacrifice, faut tout professionnel dans l'école yo a fait devoir yo. Faut y a fait travail yo, payer yo pour yo faire. Professeur, directeur l'école, inspecteur, fonctionnaire dans direction départementale yo, dans bureau central ministère. Faut yo tout faire travail yo pour l'école la marcher. Ça veut dire l'école la marcher, ça veut dire
élèves yo apprendre, élèves yo passer dans examen. Ça veut dire faut que tout le monde respecte règle jouette là dans tout niveau. C'est ça yo relé une bon gouvernance système là. Voilà, je nous tape. Tandis, auditeurs, c'est ministre de l'Éducation nationale, là, dans ces circonstances-là. Donc, monsieur a fait l'état pas bon, vrai, l'état pas campé soin, hein. Parce que d'habitude, il n'y a pas comme ça qu'on fait. Ou lancer, ou faire lancement, et puis, soit bâillé Timonio, il va en pile, pendant toute l'école, on va passer. Quand on fait lancement, là, on bègue dans Timonio. Oui, même pour l'état, ministre, ça a été fait 2 semaines avant. Donc, l'école, là, son promesse qu'a continué. C'est promesse. Comme si Timonio est ministre, il allait les mains vides. On est acquitté et les planifier rentrer l'état même l'état pour comparer bon même l'état pour comparer et si elle est l'état en fait non l'école mais c'est nationale fait, de manière symbolique peut-être l'école ça yo yeah. Yo fait de distribution mais faut retenir tout ministre là pendant intervention ministre est tombé. Donc, il est tombé à Texas, oui. Disposition dans comment dire ça non oui il est indisposé tu connais ça. Ouais, ça faut nous noter ça. Pendant la conférence là-bas. Non, pas en conférence, c'était pendant la cérémonie donc qu'est-ce qui se passe pour une compagnie Ariel qui est à Kimberley. Non, vous pouvez pas suivre. Il faut tout expliquer net. Mais après combien de temps il revient là? Bon, il pas de gâte à l'hôpital avec lui. Mais d'avoir là avec lui bien en meuse, c'est mon stress. Parce que le va pile petit monde sur capitaine on va avec un an mais et puis c'est promesse ou t'es pas promesse déjà et au canon c'est ouverture l'école avec l'état pas bon non mais entrer l'école c'est pour bail qui facile pour quel ministre éducation nationale en pile pression et ministre c'est un monde qui pas trop aimer la presse OK donc ça nous a témoigné de lui depuis l'été qu'on couvrit ministère donc il était directeur enseignement secondaire ou pas besoin d'interview non mais ou qu'apprend information oui le système n'a déjà pas premier ballon dit celle l'ICA accepte pour prendre note mais ou pas pas enregistrer donc pour une voix c'est dans occasion comme ça ou enregistrer donc c'est pas un monde qui et s'il te fait petit exercice ça avec la presse t'a plus à l'aise voilà le trouver notre situation là que l'obligé l'a pas prendre faire exercice là donc tout s'entraîne dans stress là et puis il est tombé heureusement il est relevé après combien t'as levé. En tout cas, il va prendre temps pour le ministre qui est là. Le premier ministre là est venu à Chekouli. Le premier ministre est passé loin. Pas vrai dire non juif parce que je n'ai pas payé pour ça. Mais vous proposez un ministre d'affaires. Il est non. Oui. Pour réanimer. Oui, pour être capable de recamper. Ok. Voilà. Donc, on ne va pas trop loin. Donc, le ministre qui a passé mes points, si c'est pas ça, c'est où tu as le ballon pour te mettre. Mais il va regarder, elle est tombée, elle est tombée. C'est où tu es tombée? Il va regarder côté, elle est tombée. Contrairement avec l'autre ami. Elle a déjà arrivé. Voilà, amis auditeurs, nouvelle année académique, ça a démarré dans un contexte côté crise économique et politique, là, a brassé le pays a sérieusement, a brassé le en pile famille, a pris sous clou, ça a été dehors, petit coulier qu'on veut en quichoy pour famille, l'État qu'on veut dans le et tout, parce que l'État, c'est cool à couper, dans la mafiocratie, surtout dans le combat américain. Donc, mais vous rentrez sous nous, pas pile et pas macon, par contre, qui côté nous prenons le météo, l'État pas qu'à kembe, nous-mêmes, famille, pas de moyens, toute famille dans courir donc maintenant situation entre l'école premier ministre Ariel Henry dans discours dans circonstances là il salue détermination parents yo qui fait un pile effort pour capable voyer timon yo l'école chef gouvernement dans sens ça exhorter tous si là yo cap travail dans secteur éducation pour bien accomplir tâche en côté premier ministre Ariel Henry hier dans cérémonie lancement ouverture classe yo définitivement dans le pays d'Haïti, avec grande exception Grand Sud, pour 4 octobre Gabvina. Cette année est aussi particulière par la situation sociopolitique et économique difficile que traverse le pays. À cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé et combien mérité aux parents d'élèves de nos 7 départements géographiques concernés par la rentrée d'aujourd'hui, lesquels ont consenti l'effort nécessaire dans ce environnement difficile pour répondre à ce rendez-vous éducatif. Maman et papa petit, pays d'Haïti, respect pour nous. Respect pour courage nous.
respect pour détermination nous, respect pour nous toutes qui croient si Mounio c'est avenir pays. Nous pas cachita n'en fait politique et éducation petite nous. Faut que nous baille l'école là une chance. Pour nous toutes qui invitées dans la cérémonie ça, pour nous toutes qui suivent tout partout la cérémonie ça, nous connaissons qui j'en maman et papa dans le pays d'Haïti, croire dans l'école. Yo croire c'est plus bon chemin pour aider petite yo, faire progrès dans la vie yo. C'est plus bon chemin pour aider petite yo, pour apprendre ingénieur, plombier, mécanicien, professeur l'école, comptable, administrateur et latrier. C'est dans l'école pour joindre une chance pour demain petite yo capable occuper gros fonction dans pays a. Et puis au cas occupé tout tant que président Jovenel t'est toujours répété là. Là tout ton peuple mettez l'espoir sous l'école pour changer la ville. Ça veut dire faut que tout le monde fait effort pour l'école là marcher plus bien. C'est pour ça je dis à m'a demandé tout personnel qui travaille dans le secteur éducation pour faire effort pour l'école yo marcher plus bien. Faut que tout le monde prenne responsabilité. Je lance aujourd'hui un vibrant appel aux directeurs et aux professeurs. Aucun sacrifice n'est trop grand dès qu'il s'agit de meubler l'esprit de nos enfants. Je sais que la tâche est difficile, très difficile, voire ardue. Tout en tenant compte des aléas, je demeure convaincu que vous êtes prêts à faire l'impossible pour boucler le programme établi par le ministère. C'est un atout pour tous nos élèves, pour qu'ils aient plus de marge en vue de réussir les examens. Premier ministre Ariel Henry, dans l'occasion cérémonie officielle pour lancer réouverture l'école là ailleurs, ils ont rentré qui fait sous fond crise socio-économique et difficile pour parents jusqu'à présent qui toujours à plaindre à cause yo pour clair pour rentrer l'école là lorsque autorité yo fait yo promesse qui toujours pour concrétiser. Oui, pour démarrer avec une nouvelle année académique 2021-2022, ils ont messe qui baptisé messe Saint-Esprit chantée dans l'église paroissiale Saint-Maclan hier 21 septembre 2021, célébrant principal la père Moïse Bellevue mandé élève pour prendre étude au sérieux même les li constater absence autorité étatique dans pays a en côté plus détail à correspondant nous Nixon Denius depuis ville Saint-Mac. Rempli tant qu'on se, sans respect, distanciation sociale, et sans cache-né pour éviter propagation COVID-19 là, élèves qui sortit dans l'école, congréganisio, lycée, ak institution privée, yo, participé dans traditionnel Messe Saint-Esprit qui déroulait dans l'église paroissiale Saint-Maclan, mardi 21 septembre 2021. Célébration Messe en fête pour démarrer avec année académique 2021-2022, suivant calendrier, ministère l'éducation nationale et formation professionnelle publié. Dans Omélicie Constance, célébrant principal là, Père Moïse Bellevue mandé élève pour prendre étudio au sérieux, l'elle constaté absence autorité étatique dans pays. L'année commence avec beaucoup d'angoisse. Le lieu de le dire, si vous avez un problème dans le pays, qui est la côté de nous pas poser cette question. Vous êtes qui est déjà en secondaire, nous pas poser cette question. Si vous avez un problème dans le pays, qui est la côté de l'aide, nous pas le président. B, d'aller entendre, premier ministre dit ceci, toi, nous voyons. Et nous avons dit que le courage pour nous dire, nous disons que nous avons dit plus ou moins à marcher, malgré la marche, nous avons marché, c'est l'éducation dans le pays, parce que le moins de monde à l'école, le monde est en place, et les gens qui font n'importe qui bagaille dans le pays, comme c'est lui-même qui a marché. Directeur départemental, la Tibonite ministère, l'éducation nationale, à formation professionnelle, là, professeur école Renoir, déclaré climat insécurité à crise sanitaire, terrain, année scolaire qui s'est passé à difficile. Li fait connaître, malgré difficulté, yo, li satisfait, résultat, élève yo affiché, dans 9e année fondamentale, ak nouveau secondaire, ainsi que philo traditionnel, là. Li indiqué, pour année ça, ministère a bien pour accompagner élève yo. L'année compliquée,
vient d'être bouclé avec des résultats plus ou moins acceptables pour les épreuves des examens officiels. La 9e année fondamentale accuse un taux de réussite de 77%, tandis que le nouveau secondaire et la philo traditionnelle ont respectivement un taux de réussite estimé à 54% et 52%. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, piloté par Madame Marie-Lucie Joseph, cadre expérimenté du ministère, va accompagner les familles vulnérables à travers les projets cash, transfert et le PAPDEF. N'a fait remarquer, messe traditionnelle ça déroulé en présence plusieurs personnalités, tant qu'au vice-délégué arrondissement Saint-Maclan, directeur lycée bicentenaire, Edver Fils, qui était représenté, directrice adjointe, direction départementale, la Tibonite là, Marie-Théline Cosmeis Pierre, qui empêchait inspecteur BDSO, directeur l'école publique, tant qu'au privé, acte parent. Nixon, Denise depuis Saint-Mac pour Radio Caraïbes FM. Merci un peu, Nixon, Jean, ministère éducation nationale, la formation professionnelle, t'es annoncé ça. L'entre classe, respecté dans la capitale, là, pour hier, cependant, c'est effectif, yo, respecté dans l'école privée, yo, pour premier jour, hein, dans l'établissement public, yo. C'est pas même constat, responsable école, yo, qui pas caché, qui étudie, yo, gagné, par rapport à phénomène insécurité, en souhaité, autorité concernée, yo, prend disposition pour freiner, hein, phénomène, là, qui pas suspend, mettez deuil, en mi-temps, population en Guerline Morestin. Si nous t'apprenons, esclaves, là où tu débarques bon, ici, hein? Est-ce que vous êtes sorti dans la même tribu en Afrique? Non. Eh bien, là où vous là, par exemple, il faut vous un moyen pour vous communiquer. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est comme ça, c'est ainsi que le créole avait pris naissance. Tout professeur, vous te répondez présent dans le Collège classique d'Haïti pour dispenser cours, journée 21 septembre. Là, nan okajyon rentre l'école la pou ane akademik 2021-2022 a. Li fè 10 an matin, se deja lè rekreasyon. Elev yo soti youn apre lot, epi epapye sou la koua. Sa ki montre a klè, premier jounè rentre l'école la, se yo reyusit pou sansè Kolej Klasik d'Haïti a, Sami Jean-Denis. Li konfime, efektif elev yo respekte, a plus passé 50%. Dans le premier jour, c'est comme si moi senti élèves ont gagné une envie pour venir en classe. C'est l'une des rares occasions non l'ouvrir avec un effectif qui est si imposant. Nous a environ plus que moitié nombre d'inscrits non qui viennent dès le premier jour. Ça pas voulait dire c'est à fait parent qui bon, mais ouais la volonté de venir à l'école là. Nous senti que c'est déjà un bon démarrage. C'est même constat qui fait dans plusieurs écoles privées dans la capitale là, que ce soit primaire Saint-François d'Assise ou bien centre de formation moderne, c'est une entrée d'école qui réussit. L'effectif est au complet, à part peut-être qu'il y a quelques élèves malades ou autres, mais elles sont là. Bien que, voilà, la scolarité, le premier versement, elles ne sont pas encore passées à l'économa. Donc là, on attend encore la semaine pour pouvoir donner aux parents de s'arranger. Et pour nous-mêmes, dans le centre de formation moderne, nous sommes capables de dire que rentrer nous en lycée, on réussit pour un début, un premier jour, et toute classe nous travaille sans difficulté. Effectif là l'acceptable depuis la section kinder jusqu'au secondaire 4. Si pour certaines écoles privées, quantité élèves qui répondent présent dans classe pour nouvelle année académique là élevé, pour l'école l'état yo situation en différent. Selon quelques responsables lycée avec l'école nationale yo, c'est vrai établissement yo fonctionné, mais quantité timoun yo recevoir pas en pile. Considérablement classe yo baissé par rapport avec effectif nous t'ai gagné. C'est comme quantité élèves qui t'ai inscrit pour niveau 7e année, élèves ça ont pas capable venir à cause des sécurité qui a développé dans pays là, à cause de ça crée les instabilité politique, à cause de ça crée les vie économique qui par contingent difficile de jodi a. Li pas pour parce que non classe le garde ou a joué 6 7 à la rigueur qu'a joindre 10 élèves. Or pédagogiquement parlant, ou t'a de joindre 36 élèves par classe. Responsable école yo nan occasion wan profiter pour mander autorité concernée yo prend toute disposition nécessaire pour freiner insécurité ya nan l'idée pour empêcher année l'école ça
fini même Jacques avec des dernières années qui passaient yo. N'a demandé autorité yo pour que yo mette toute structure sécurité au pays à en branle pour permettre que ti moun yo gagne sécurité depuis leur sorti la caillou et leur a gagne pour rentrer la caillou. Tout doit travailler pour que un nous capable améliorer situation sécurité au pays à faciliter l'école yo fonctionner normalement. Garder tout pour capable gérer les grandes questions de l'état qui a permettre nous gagner moins perturbation politique et d'une façon à ce que l'école là capable toujours fonctionner parce que moi remarquer l'école en Haïti c'est toujours véritable victime. C'est vrai l'école là l'ouvrit mais dans trois départements tremblement tête est passé là. C'est toujours date 4 octobre ministère éducation nationale kembe pour deuxième rentrée classe là pour année académique 2021-2022 là. Cependant toujours gain on la trier parents qui poko kon ki sain pour yo relé pour permettre Simon yo prend chemin l'école. Guerline Morestin, Caraïbes FM. Merci Guerline Morestin, collaboratrice, nous t'a présenté un reportage. C'est la journal tout pays à 6h avec 20 minutes le matin. N'a toujours été dans ça qui a rapport avec éducation, étudiants centre formation pour l'école fondamentale CFF, pas en mesure pour continuer suivre couyo à cause problème local. Ancien président structure là fait connaître institution publique Guillaume Maniga qui était bayo ben fait des 3 jours yo pas capable fonctionner à cause l'école ouvri institution pour fonctionner avec élèves correctement. Louis Andris critiqué ministre éducation nationale là avec formation professionnelle là qui jusqu'à présent pas jamais prend en considération ensemble revendication étudiant CFF yo sous Bopal durant France étudiant 3e année fait connaître ministre n'a pas gain aucune volonté pour résoudre problème ça définitivement. En coûté une après l'autre dans micro Lydia Alexandre. Nous venons la matin pour nous exposer le problème si CFF fait face. Nous connaissons CFF, c'est une entité qui a pour former des professeurs au niveau fondamental, comme nous sommes indiqués. L'État a une responsabilité pour que lorsque CFF est créé, ça fait plus de 20 ans depuis que CFF est créé, 1er juin 1999. Notre objectif pour que CFF est former des enseignants pour aller faire une formation à stimuler le niveau fondamental. Mais nous, depuis le jour que CFF est fondé, l'État a une responsabilité en main. Et je veux dire, on a fait face à plusieurs situations. Pour les CFF, il y a des problèmes locaux. Local qui nous a fonctionné là dans le Martissant. Nous connaissons tous les problèmes qui sont dans le Martissant. Et l'État est obligé de loger nous mettre une école nationale Guillaume Maniga pour que nous soyons capables de continuer pour la formation. Et jusqu'à maintenant, nous avons perdu l'année académique 2019-2020. Son année passée vide pour nous. Et l'année 2020-2021, jusqu'à maintenant, elle est bouclée. Et Guillaume Maniga, où je vous dis à l'école commencée, il met nous dans l'espace là parce qu'il faut que nous prenions la formation. Nous-mêmes, et nous parlons côté qu'on a pour nous continuer à faire formation. Grand pile d'examen pour qu'on finit, bien coup pour qu'on finit, nous baguons un droit pour nous continuer la formation. Ça, c'est un problème qui est majeur, qui est centré à faire face à lui-même directement. Et nous, aujourd'hui, nous l'avons dans la rue, nous baguons côté pour nous aller pour nous prendre formation. Nous allons rentrer dans l'espace pour nous faire éruption sous lui, pour nous dire qu'on s'est là pour nous prendre formation. Et là, nous devons boucler avec Anne, nous devons finir l'examen, pas d'espace pour nous finir. Et l'espace là, tout, c'est faire face à un problème. Parce que pas de moyen qui est disponible pour que ça soit fonctionné, parce que pas de budget que l'État a loué à CFF. Et CFF, dans la fondation, pas de professeur qui nomme CFF. Professeur, c'est contractuel. Et ça fait que nous avons pile problème de coûts qui sont supposé faire CFF qui pas fait par rapport à Jean l'État lui-même l'a géré maintenant. Et nous avons problème de probation. Dans pile promotion qui de probation déjà, l'État a supposé voir une probation à temps et payer une probation. Non seulement promotion qui de probation, il n'y a pas payé. Nous-mêmes, tout qui finit dans la promotion Yves Desjean, qui finit année 2017, qui a supposé finir 2020, nous perdons année qui a fini, nous finissons 2021 là. Jusqu'à maintenant, pourquoi gagner 10 pour question probation? Nous voulons que l'État lui même l'IFE intervenir rapide, pressé, sous situation CFF là, pour faire une intervention qui est favorable à la situation qui est confrontée à tout. Et par une situation, c'est à tout, avant que nous commencions comme médias, nous exposons la situation, nous écrivons ministre pour nous montrer ce qui s'est passé maintenant. Et jusqu'à maintenant, depuis 31 d'août, que nous écrivons ministre, ministre bout de nous, pourquoi jamais faire nos réponses. Et nous voulons ministre dire quelque chose et pour rentrer dans lui-même pour connaître ses responsabilités. Parce que CFF lui-même, il souche directement avec ministre. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'est attaché directement. Il bouche la donne. S'il bouche la donne, lorsque nous avons un problème, il y a l'autre monde qui nous recourt à lui-même. C'est un ministère là. Il faut faire quelque chose, presser, presser, pour que nous puissions boucler l'année et pour nous aller dans le problème. Parce qu'on est Martissant, un problème d'insécurité qui a monté. C'est vrai que toujours comme ça, mais nous avons toujours fréquenté ce passage à nous aller. Mais bon, au moment, le problème n'a pas empiré. Et grand pile professeur qui a fait coup en bas, il a quitté en bas, il a dit qu'il va faire coup encore, il va faire coup. CFF, c'est green établissement l'État qui a été dans Martissant. Et nous-mêmes, tous nous avons joué un gros rôle dans ça parce que nous avons cru que CFF n'a pas sorti Martissant parce que l'État n'a pas couru. CFF, c'est un patrimoine.
en dans Matissan. Mais nous t'ai accepté pendant bal la tire tout temps nous t'ai accepté être en bas. Mais je dis en bas la vie critique, nous pas carré en bas. Là je dis à nous venir c'est pour nous dénoncer son projet ministère a gagné. Qui projet lié c'est comme si pour faire ce peuple là disparaître. Nous t'a voulu quoi comme si petite malheureuse, petite machine charbon, petite chauffeur moto, petite chauffeur camionnette, yo même yo pas besoin côté pour étudier. Comme si le ministère pas gros souci pour lui comme si bail côté pour petite malheureuse étudier. Comme si son projet l'état a gagné même. Yo non logique t'a craser ce peuple là dans l'idée pour yo capable recruter nous parce que yo même en deux ministères yo gagne l'école privée yo pour être capable de faire millions sur nous et nous même petite malheureuse nous même étudiants CFF nous même jeune jeudi à nous dit ça pas passer nous même nous besoin côté pour nous étudier rapide étudiants qui finissent yo étudiants troisième année yo besoin pour aller en probation rapide et nous pour aller en probation pré-probation faut nous jeunes parce que c'est avec pré-probation pour nous faire ensemble de travail. Mobilisation en faveur compatriotes haïtiens qui trouvaient jusqu'à matin coincés sous frontière Mexique avec les pays États-Unis et malgré ça qui arrivait haïtiens en bas pont Texas là il y a environ 20 000 qui sous route pour rentrer aux États-Unis par même moyen haïtiens ça y trouvaient pourquoi elle est là dans pays Colombie et attend une situation retourner dans calme pour capable reprendre route là selon département Homeland Security aux États-Unis qui rapportait Mounsayo t'a trouvé dans le nord pays Colombie pourquoi elle est là en plus quantité ça gagne l'autre groupe 1500 qui trouvé dans Panama à 3000 dans Pérou li rete seulement pour qu'on ait qui là Mounsayo a privé sous territoire américain selon responsable qui parlait avec NBC qui dit il a commencé à organiser dans l'autre pays pour entreprendre même voyage ça entre-temps processus déportation la prapouche suivre ailleurs mardi 21 septembre gagné plusieurs vols déportation qui atterrit dans aéroport international Toussaint l'ouverture Réginal Rémy a présenté nous Carline Saint-Fort qui gagné 28 l'année yon nan migrant sa yo bat et puis yo violé le tout enceinte victime d'un qui trouvait les deux bras balancés sous territoire national là profiter critiquer autorité qui pas posé aucune action malgré autorité américaine yo violer droit migrant yo. Reportage Réginal Rémy. On parle, on parle, on parle. Nous passons sous frontière. Depuis Mexique, on quitte nous passer à cause de fait pays. De rigole, l'eau a coulé dans Angèle, pied à terre, humiliation, fatigue, déception sur visage. Les pas de mots encore pour Carline Saint-Fort qui dans 28 l'année qu'on ça. Des cristals sont en dirée en vent et pendant expulsion sous territoire national là. Ceci Brésil, passé Chili pour arriver Texas. Ça prend un peu de temps encore pour jeune dame ça. Expliquer ça, elle saute vivre pendant plusieurs mois pour arriver dans le pays États-Unis. À côté toute zak maltraitance sa yo bisexuel yo pa kite migrant yo prend soin ko yo Kalinap expliqué depuis qu'il est libre se boucher ak fait toilette li nous sans bosser yo pa la nous côté pour nous bien si nous ta presse de pas boire là ki 4 jours sans foyer nous pa goût de encore voler prendre voler faire déjà soubre mais 8 jours barrage mais 3 jours sans bosser barrage mais 3 jours barrage nous pas même goûmer même parce que nous connaît depuis nous goûmer à voir nous aller yo fait 4 prisons avec nous sous 4e prison yo prend nous yo met uniforme prisonnier sous nous les pour aller pour libérer nous gros messieurs qui vini nous dit non yo va libérer nous Haïti même pipi nous pas gal pipi navio yo mis la tête pour nous deux pieds nous navio. Après plusieurs années Chili, jeune dame ça retourné la caille pied à terre et pas qu'on qui c'est pour l'adresser parce qu'elle pas gon goût de l'esco dans main. Je nous pas voyer nous.
Cap prend pile le temps encore pour effacer. Reginald Rémy, Caraïbe FM. Merci un peu, Reginald Rémy. Pendant sa situation était très malouque pour plusieurs centaines de migrants haïtiens le week-end passé à la frontière qui séparait Mexique et États-Unis. Ça qui était choqué un peu le monde qui est en Haïti ou bien à l'étranger. Décision administration Joe Biden prend pour déporter migrants ça y est fait dans dos la loi d'après Franck Julien, avocat qui est spécialisé dans affaires migration au pays États-Unis. Association avocat dans plusieurs états parés pour attaquer l'administration Joe Biden dans la justice pour action ça. Nous suivions reportage à Peterson Luxama. C'est problème technique pour retrouver reportage Peterson Luxama. Entre temps, gagné ancien président commission affaires étrangères, chambre députée, ancien député Abel Descolines, qui lui-même exprimé mécontentement pour façon traitement autorité américaine Yuba et compatriote haïtien Yo qui a pas cherché rentrer aux États-Unis à travers frontières qui séparent États-Unis avec Mexique. Porte-parole Kadoro a critiqué autorité américaine Yo qui parle aucune compassion pour migrants haïtiens yo alors que yo gagne un lot traitement pour migrants l'autre pays qui a pas cherché rentrer sous territoire américain en même condition en hein. Côté député Abel Descolines dans micro Winchell Adrien. C'est une réaction de mécontentement. C'est une réaction pour moi dit que nous scandalisés, nous attristés lorsque nous constater dans qui condition plusieurs dizaines voire de centaines de compatriotes qui au prix de sacrifices qui exposaient vie pour la plupart qui soutient Chili, qui soutient Brésil, qui selon toute information yo traversaient des pays à pied, des forêts en tout cas pour atteindre la côte des États-Unis et qui au final rapatriaient dans le pays d'Haïti, sous l'ordre, bien entendu, sous décision gouvernement américain. D'abord, décision gouvernement pays États-Unis, pour nous-mêmes, Nakadoa, c'est un acte de souveraineté. Les États-Unis, c'est un pays souverain qui décidait le politique, qui décidait qui ça doit faire à n'importe qui moment donné. Cependant, acte de souveraineté, ça, que nous reconnaître gouvernement américain gagné pour décider s'agissant de haïtiens sayo qui rivaient et qui voulaient rentrer sous territoire américain, nous dit acte de souveraineté ça, l'y montrer un manque de compassion des autorités américaines, du gouvernement américain vis-à-vis d'Haïti, vis-à-vis du peuple haïtien. Acte de souveraineté ça, l'y montrer on manque de solidarité du gouvernement américain envers Haïti, envers le peuple haïtien. Acte de souveraineté, ça, les montrer on manque d'amitié envers Haïti, envers le peuple haïtien. Décision gouvernement américain pour rapatrier haïtien Sayo, lit à mon sens, comme porte-parole Kadoa, disparaître, effacer concept nous qu'on toujours tendait qu'à utiliser dans les relations entre Haïti et les États-Unis, à savoir pays ami. Bien évidemment, rapatriement compatriote haïtien Sayo nous dit ça choquait nous dit nous scandaliser, nous dit nous vraiment attriste. D'abord, qui ça nous doit comprendre par rapport à tout haïtien Sayo qui quitte Haïti, calé Chili, calé Brésil, calé dans de l'autre pays en Amérique latine et même dans les Antilles françaises, mais tout dans les Antilles néerlandaises. Depuis pratiquement 5 ans, c'est quand même plusieurs centaines de nos compatriotes qui obligés quitter pays.
nous dit qu'il est obligé de quitter le pays parce que nous connaissons. Haïtiens, ça y est, qui quittent Haïti, qu'à le Chili, qu'à le Brésil, qui allaient dans les Antilles françaises et ailleurs, et même aux États-Unis de façon illégale. C'est pas parce que y'a pas aimé Haïti. Mais Haïtiens, ça y est, quitté Haïti, malheureusement, parce que ils n'en peuvent plus. Parce que y'a pas qu'à supporter encore. Parce que y'a pas qu'à arrêter encore. Et nous tout connaît. Depuis quand même 2018, pays d'Haïti a vécu une succession de catastrophes. Catastrophes politiques, une crise politique qui existait pratiquement pendant toute administration Rey, feu président Jovenel Moïse. Et une deuxième catastrophe qui c'est une crise humanitaire. C'est quand même 5 millions d'Haïtiens qui n'ont famine. Et c'est le rapport des instances gouvernementales qui dit ça. Mais une troisième catastrophe, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse, 6-7 juillet. Et nous avons même dit une quatrième catastrophe, et qui est effectivement une catastrophe humanitaire. Tremblement de terre qui frappait nous, 14 d'août 2021 qui sont passés. Donc voilà, Haïtiens n'ont pas capable de supporter encore. Lorsque nous dit décision gouvernement américain pour rapatrier tout compatriote haïtien ça yo, les traduit en manque de solidarité, les traduit en manque de compassion envers Haïti, envers le peuple haïtien, c'est parce que dans de l'autre cas, dans de l'autre situation qui concernait de l'autre pays, nous ouais, l'attitude, la réaction, la décision américaine les différentes. Par exemple, il y a 3 ans environ, lorsque au Venezuela, il y a une crise humanitaire qui découlait de crise politique à cause de problèmes entre l'opposition et le président Maduro. Côté les grandes puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, dit qu'il n'y a pas reconnaître la légitimité, la présidence de Maduro. Eh ben, cette crise au Venezuela gagnait plusieurs centaines de milliers de Vénézuéliens. Ancien député Abel Descoulines, responsable au président commission, ancien président commission affaires étrangères dans la chambre députée. Office de protection citoyenne dit le déplorer ou le préoccuper.